la Team Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et déjà j'arrive dans le jeu, la première chose que je vois c'est un nouveau skin de Béa, Béa Neko. Elle est vraiment trop belle. Je vais pas l'acheter parce que bah, avec les gemmes j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Mais sinon elle est vraiment beaucoup trop belle. On va aller tout de suite la tester en mode dans le Star Park pour voir un petit peu comment elle est. Donc bah, déjà elle est beaucoup trop belle. Ok, donc je sais pas ce qu'elle balance. Attendez. Donc elle balance des genres de pics bleus. Je sais pas du tout ce que c'est. Et on va voir niveau niveau pouvoir. Ouais, ok, donc en gros bah, elle est simple. Voilà, mais niveau skin vraiment elle est beaucoup trop belle. Donc voilà, donc je vais pas l'acheter parce que je vais acheter d'autres choses avec les gemmes que je suis en train de récolter. Mais voilà, en tout cas dans cette vidéo nous allons tester, comme vous avez pu le voir ici et dans le titre, on va tester Belle car je viens de l'avoir dans le Pass Brawl. Comme vous savez, j'ai acheté ce Pass Brawl car j'avais économisé des gemmes et j'ai pu l'acheter du coup. Et la voici. Alors déjà rien que physiquement elle est beaucoup trop belle. Elle est trop stylée, sa voix j'aime trop. Voilà, j'ai déjà commencé un petit peu à jouer avec elle parce que bah, j'étais trop tentée, mais vraiment, dès que je l'ai eu, j'étais en mode il faut absolument que je fasse plein de parties avec elle. Du coup, j'ai un petit peu commencé, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en fasse une vidéo pour que vous voyez un petit peu comment elle est. Si jamais vous hésitez à acheter le Pass Brawl, voilà. Donc, déjà, je vous dis clairement, elle est vraiment super forte. D'ailleurs, nouveauté, il y a des quêtes maintenant à 1000. Jetons, j'étais pas du tout au courant. J'étais il y a à peu près 2 jours, je suis rentrée sur Brawl Stars et je vois ça, mais c'est trop bien. Bon, même si les quêtes elles sont super longues, etc., c'est beaucoup trop bien. Enfin bref, là du coup je suis allée en braquage parce que je crois que j'ai une quête. Et regardez juste regardez comment elle tire loin. Mais c'est pas un truc de dingue. Regardez juste sa portée. Genre, c'est un truc de malade. La truc, c'est pire qu'une poly. Donc, bah, du coup, je vais faire cette petite game. Je vais vous montrer en même temps comment elle est, etc. Les dégâts qu'elle cause. Et du coup, bah, c'est parti.
Bref, du coup, ben là, on a gagné, même une victoire écrasante. Mais j'ai trop envie qu'on casse entièrement la boîte, mais là, on va pas réussir, je crois. Ouais, on va pas réussir. Mais en tout cas, on a gagné cette game et j'espère que vous avez vu comment elle est forte. J'aime trop, je l'aime trop vraiment. Je suis tombée, j'ai totalement amoureuse de cette personnage. J'ai vraiment un coup de cœur. Je regrette pas du tout d'avoir acheté le pass Brawl cette fois-ci. Et voilà, du coup, on va tout de suite partir pour une deuxième game. Et j'espère que vous avez vu, mais quand elle tire sur un ennemi, en gros, c'est un peu comme une Jessie, mais en mode infini. Si les personnages, enfin, si les brawlers ne s'écartent pas l'un de l'autre, et ben ma boule d'électricité continue à, comment dire, à swiper entre l'un et l'autre. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais je trouve ça trop cheaté, mais vraiment. Donc là, par exemple, si le Nani et le loup ne s'écartent pas tous les deux l'un de l'autre, et ben ma boule d'électricité va continuer à leur faire des dégâts, tout simplement. Donc moi, je trouve ça vraiment hyper cheaté comme truc. En fait, c'est une Jessie, mais en cheaté, quoi. Et bon, par contre, c'est vrai que quand je suis contre une belle, ça m'énerve un peu parce que des fois je suis obligée de m'écarter, mais des fois il y a d'autres personnes à côté, du coup faut que. Enfin bref, mais dès que je joue avec elle, vraiment sans hésitation, elle est trop forte. Enfin bref, je vous laisse avec le visionnage de la vidéo et j'espère gagner cette game. Du coup, on a gagné. J'ai fini en plus ma quête de braquage. Donc, ça, c'est super. J'ai eu 290 jetons. Normalement, j'ai. Non. J'allais dire normalement, j'ai quelque chose, mais non. Du coup, là, j'ai aussi bientôt fini ma quête à 1000 avec Belle. Et là, je sens que avec 1000 jetons, je vais pouvoir bien avancer dans mon passe-brawl. Et moi, je trouve ça super hein, qu'ils ont fait un nouveau système. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on gagnait que 500, que 200. Là, maintenant qu'il y a 1000, bah, je trouve ça super. Par contre, c'est vrai qu'elle prend un peu 2 heures à casser les boîtes, ça j'avais pas vu. Mais en tout cas, niveau dégâts, etc., elle est vraiment trop trop forte. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo et j'espère aussi gagner cette game. En tout cas, c'est parti! Du coup, on va essayer de gagner contre ce Nani qui est quand même
Et ben voilà. Je parle toujours trop vite. J'allais dire, on va essayer de gagner contre Tenani qui est quand même très très fort. Mais du coup, bah, j'ai perdu. Mais c'est pas grave, quand même top 2. En tout cas, on va tout de suite lancer une nouvelle game. Et je vais essayer de finir la quête à 1000 dans cette vidéo. Comme ça, bah, on pourra faire un petit pack opening à la fin de vidéo. Parce que j'aime trop faire des pack opening en fin de vidéo, vraiment. Quand j'ai fait beaucoup de quêtes dans des vidéos Brawl Stars, j'aime trop ouvrir les boîtes, etc. à la fin. Comme ça, ça fait une vidéo. Enfin, deux vidéos en une. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin bref, c'est parti. Bah du coup j'ai fait top 3 et j'ai fini ma quête à 1000. On va voir combien ça va avancer. J'ai eu 31 trophées, purée. Ok. Oh my god. Regardez-moi tout ce que j'ai. Non mais vraiment les quêtes à 1000 ça rapporte beaucoup. Bref, c'est parti pour le petit pack opening. Donc j'ai eu un émoticône de Belle. Les 500 je vais les mettre sur... je sais pas trop là sur qui mettre. Du coup on va mettre ça sur... je sais pas. On va mettre ça sur Beau. Comme ça, on va un petit peu le monter pour pouvoir le mettre pouvoir 9. Ok, donc j'ouvre une boîte. Direct, j'ai un gadget. J'ai rien d'autre. Ok, on va tout de suite ouvrir la grosse boîte en espérant avoir quelque chose. C'est parti. Ouais, 66. Du coup, j'ai rien. Et il nous reste encore la méga boîte. Est-ce que je vais avoir quelque chose ou pas? Non. Malheureusement, j'aurais bien cru que dans la vidéo, j'allais avoir quelque chose. Mais non, je n'ai rien. En tout cas, moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche des notifications et à vous abonner. Enfin, bref, vous connaissez, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimez bien le personnage de Belle. Moi, je la kiffe vraiment. Je pense que là, c'est vraiment devenu ma personnage préféré, sans vous le cacher. Du coup voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur Brawl Stars, parce que c'est vraiment un jeu que j'affectionne énormément. Moi je vous fais de gros bisous et voilà, likez, partagez, vous connaissez la petite routine. Gros bisous et à la prochaine.